semaine. Je pose une plaquette. Je pense qu'on peut dire qu'elle est première du secteur. Mais c'est bien ce qui va s'en venir d'en face. Par contre, il paraît que l'équipe, c'est un peu plus dur. Le mois d'après, mais... Ouais, je pense qu'ils vont quand même limiter celles qui étaient dans la difficulté, ils vont limiter la casse. On leur fait confiance. Bah oui, de toute façon, il reste 15 minutes. Donc maintenant, on va pas changer grand-chose. On est bien d'accord. On aura donné notre meilleur. Et qu'est-ce que t'en penses, mon beau Baptiste, puisque t'es là? Moi, je sais pas, j'ai pas trop suivi, je me suis beaucoup baladé. Je pense que ça va être serré au final. Ça va être serré au final. Alors, tout va bien normalement? Ouais, tout va très bien. Elle a l'air d'exploser le bazar par rapport. C'est bon. Hein? Alors, combien d'avance pour toi? Un bon kilo? Ouais, pas loin d'un kilo. Hein. Bon. À plus. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre? C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que les Hongrois sont pas trop mauvais, c'est ça? Les Hongrois sont pas mal. Après. Ici, dans le secteur d'Isage, j'ai la sensation que l'Hongrois se prend beaucoup plus petit. Après, le problème, c'est que l'Italie, elle est loin là-bas, je vois pas trop la taille des poissons qu'elle prend. Anya Groth, bien sûr, elle se bat comme une lionne, donc du coup, elle prend, et puis elle pêche super bien. Lisa nous a fait une spectaculaire troisième heure. Moi, j'ai vu quand je suis en face, c'était... Puis après, ça redevient dur. Alors, en fait, il faut pas rater les passages. Quoi. Parce que quand tu as les passages, tu peux vite faire 10 garnons de 60 grammes. Mais... Parce qu'en fait, c'est... Absolument, c'est bien ta radio. Comme ça, au moins, tu la verras sourire pleinement, comme d'habitude. Pour le Portugal, au numéro 1. Okay. Inférieur à 30 grammes. Libera. Okay. 1024. 1024. Très belle pêche, bravo à elle. Et je pense qu'elle sera devant la pêche. Posée maintenant. Donc, là. 0863. 1109. Il y avait aussi le monsieur là-bas, regardez, qui voulait faire voir avec la main. Non. Non. On est 0651. 651. 651 pour Michel Lovo, donc malheureusement. Je pense que malheureusement. Non, oui, non. Là, on voit. Allez, c'est bien la preuve que c'est pas si facile que ça. Non. Quand tu vas des pêches comme ça, mais je veux bien tout ce qu'on veut. Et puis la portugaise, il faut compter à moins de 30. Donc, on est à 135 grammes pour la pêcheuse allemande, donc pour les Pays-Bas. 0544
544. Je rappelle que l'Angoisse, elle a 800 et quelque chose. Non. Non, ça va pas le faire, Laurent. 576. 576. Ok. Hey. You have to leave in here, no offense. Very difficult. Very difficult. Do you have more than 800 grams? Oh, I don't know. 1302. 1302. Yep. Après, oui. Quand même, là, on voit qu'on dit entre les mailles. Les anneaux, sur les anneaux. Non, moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh là là, c'est bon, ça. 200 grammes. Alors, est-ce qu'il y a 59 kilos de carrément. 1, 8, 6, 6. Yeah! Ouais. Bravo, frère. 1868. 873, ça va passer devant. Ça va passer, c'est la Hongroise, ça passe devant. Donc, merci, la Finlande. Attends, la quoi, c'est avec Natalia. Ganek? Almost. Vianek. Ganek. No, it's okay. I can see. You understand. Okay, yeah. On a du monde, des hommes. Bon, d'ici là, can j'aurai le temps. Le fiche dedans. 0, 3, 8, 9, 389. 389. Donc. Alors, donc Solène fait 1. Ah bon? Isabelle fait 2. Waouh! Marie fait 3ème. Et ouais. Valérie fait 5ème. Il nous manque les résultats à Claire pour l'instant. Claire, c'était dur, hein? Oui. Voilà, on attend. On attend. 11 points à rajouter à 14. Bah maintenant, il faut voir la. Tu sais que c'est la première fois que j'ai souhaité que les Anglaises et tout ça aient plus de poids. Aujourd'hui. Hein? C'est pas rapide. Donc c'est dire aussi la qualité de la pêche. Ouais, ouais. Si on gagne au poids, merci la Finlande. Ouais. Tu l'embrasses direct avec sa paire. Un pour la Hongrie. Bravo. Ouais, c'est pareil. C'est mortel. 1177 pour la France. Donc ça, on a le A. Ouais. Total de la France, c'est ça? Hier. D'hier. Il y avait 700 grammes d'écart. En plus ou en moins? En moins pour la France. Marie, elle a 585 grammes. Sur le secteur A, j'ai dit qu'on avait gagné pour un point. Non, on a gagné pour un point. Alors, il y a un problème sur ce qu'on t'a donné. Mais. Ils disent qu'on a gagné d'un point. Nous, on n'a pas le même calcul. Mais nous, on n'a pas compté ça. Hein. Et tous les Français du secteur A, ils sont. Pour eux, on a gagné. C'est du secteur A, ils sont comme ça. Nous, au secteur E, on n'est pas d'accord avec le secteur A. Ils sont occupés de faire des lits d'huile, là. Eh. C'est toujours comme ça. Quand c'est dit, quand renversement c'est un point, de situation. Ah ouais. Mais c'est ce qui est. Ça peut être un super souvenir ou un très mauvais. Dans le bon sens, apparemment, pour là-bas. Allez, on recommence tout. Normalement, on est avec Zeko et apparemment, dans le secteur 1, on dit qu'on a un point d'avance.
Non, c'est pas compliqué, mais les gars, ils les envoient pas. On demande d'envoyer les points de la France à Paris. Ils n'ont que le secteur de Marie, le secteur B. Ça se dire, ça se dire. Ça se dire. Mais non, mais c'est juste les points d'aujourd'hui. 386, 590. Ouais. Alors attends, on va dans les points maintenant. La France, Marie, elle a fait combien? 3. Comment tu pourras détacher ou pas? Et la Hongrie dans le secteur B? 7. Là c'est bon. Ok, donc on va regarder, on va faire le un point. Mais j'ai essayé de donner la présence. Ouais, c'est génial. Ça remonte. Là, on est bien d'accord. Ça remonte. On est toujours à 10. Ça sent meilleur. Ça sent meilleur. Là, on est toujours à 7. Partir, là, on est toujours à 17. Nous, on est bon, on est plus à 11 et en 9. Dans le E, foncé, c'est sûr. Dans le B, il vient de dire 2, 7. Je suis sûr que les Hongrois font pareil. Le secteur avant, je l'ai fait 2. Elle a fait 5 à côté. Où? Ici? Dans le D. Ah, je sais pas. Dans le D, elle a fait combien? 4 ou 5 dans le D? C'est là la différence qu'on a eue. C'est que Renard, il nous a dit Hongrie 6, alors qu'ici j'ai Hongrie 7. Ah, si c'est ça, c'est gagné. Ouais. Si c'est ça, on a gagné. Allez, vas-y, on finit. Après le C. Le C. Le C, alors attends, le C c'était. C'était Marie. Non. Non, non, c'est clair. C'est clair. Claire, oui. Claire. La Hongrie fait 2. Et Claire fait 6, c'est bon. Et Isabelle. Le D. Voilà. Je crois que c'était un peu plus haut. C'est 4, je crois. C'est 4. Tu Hollande dit. 1, Isabelle 2, Hongrie 4. Ouais. Bon. 9, 11, 15. C'est bon d'un point. 21. Le total, là, bah, bon. Ça fait voilà. Voilà. C'est sûr. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi, Romain? Normalement, on les passe. L'erreur, c'était dans le secteur B. Nicolas Renard, il nous a dit 6. Et c'était 7 à son champion. Donc, c'est les Français qui ont gagné. Vous ne pleurez pas de rythme. On va attendre l'officiel. Ouais. On va attendre l'officiel. Normalement, la France va champion. Vous pleurez de même dans mes dits. Pourquoi tu pleures? On n'a pas perdu. Elle voulait que vous perdiez. Parce que tes notes, elles sont défaites. Elle pleure parce qu'elle pensait qu'elle était à deux. C'est quoi les points pour madame? Qui c'est qui avait les points? 21-17. En gris, 21. Non, ce mot-là. Non, ce mot-là. Un petit pain pour les chefs. Un petit pain pour les chefs. T'es sûr? Joyeux anniversaire! Qui m'a aidé pour les entraînements, qui a su me faire aujourd'hui, j'ai gagné secteur hier, je fais 4. Non, c'est... Si, c'est grâce à toi quand même, c'est toi. Je sais pas quoi dire. C'est les championnats du monde. C'est ça. Bienvenue dans la classe internationale, les filles. Ouais. Bon alors, des impressions à chaud. On vient de loin quand même. Bon, on vient de loin, bah, de toute façon c'est toujours ça un championnat du monde, c'est la guerre jusqu'au bout. Alors, explique-moi exactement, parce que nous on était de l'autre côté, on disait à un moment donné on a cru que vous étiez ex aequo.
Alors, du coup, on a sorti la calculette pour essayer de les partager les points, mais là, vous étiez pas mal. Il y a d'autres informateurs. En fait, les espions belges sont bien plus forts que les Français. Bien plus intelligents. Voilà, c'est ça. Mais il faut qu'ils se mettent devant dans ces cas-là. Viens. Et quand on parle, faut le dire. En fait, là, je vous présente l'ex Bob Nutt. En fait, ce qu'il a fallu, c'est qu'on est devenu venir chez tonton Nico chercher les informations dans les inbox. C'est moi, je l'avais depuis le départ. Puisque j'étais avec Tamash quand il a reçu les résultats. Puisque lui, ils sont très très bien organisés. Enfin, tout le monde est bien organisé, mais eux, ils sont extrêmement rapides dans les échanges d'informations. Et à la fin de la pesée, ils connaissaient déjà le résultat pour l'équipe. Pour l'individuel, ça sera plus difficile parce que... Il y a 50 grammes. Dans le calcul, il y en a qui dit 5, il y en a qui dit 50. C'était un très beau championnat du monde, très compliqué, et c'était vraiment bien. C'est vrai qu'on a tous été supporters des équipes adverses à un moment donné. Après, je pense qu'il y a au moins une des Hongroises qui n'a pas supporté la pression sur le secteur de semaine, parce qu'à l'amorçage, c'était une catastrophe. Ah, ça, c'est expérimental. Et donc, elle a mis des coups de pelle, elle tremblait. Enfin, franchement, ça faisait mal au cœur. Bon, malgré tout, elle a pris du poisson parce qu'elle a été longtemps annoncée 9 et finalement, elle fait 6. C'est quand même une performance. Oui, parce qu'elle est remontée, elle a fait 1000 points. L'expérience et la foi. Cocktail détonnant. Super association. Alicia. Pardon. Accepter avec brio son rôle de remplaçant qui n'est en aucun cas en fait une punition. Oh, gendarmerie qui travaille. À un moment donné, on va faire un choix, ça se joue sur des détails, parce que là, vraiment, pour choisir une équipe avec la chance que vous avez. Le groupe qu'on a, pour choisir une fille et pour sortir une fille, c'est un crève-cœur, ça se joue aux détails. Et... Je te dis, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Happy. Elle est formidable à la fin. Moi, je te le dis. Il y a un esprit ultra fair play, enfin, c'est exceptionnel. Après, on le souhaite. Après, ce qui est top, c'est que avec Christophe, quand on a pris le capitanat, la première année, quand on est allé au championnat de France des filles, il y avait une vingtaine de filles. L'année dernière, on est monté à 32. Ouais. Ça veut dire qu'il commence à y avoir un engouement. Et ça, c'est génial. Et bah, j'espère que ça va aussi pousser d'autres femmes à venir vous embêter. Invivable. Elle m'a déjà fait un boulot de française. Je suis dans cette famille. Il est pas jaloux. Ça va, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui as déjà connu ça? Ça fait du bien de le revivre. Décompresser, de. Enfin, ça ne joue pas grand-chose. Avec un poisson, un poisson de moins, tu perds les deux places. C'est le beau championnat. On a gagné! Et là! Qu'est-ce que vous avez fait? On a gagné! Les jeunes, elles ont un super rapport avec toi. Elles ont un super rapport avec toi. Regarde-les. Ouais. Toi, je t'embêterai un peu plus parce que... Regarde. Ouais. C'est là, là. Un esprit de cul. Une machine. Non, pas du tout. Tu t'es vu? Alors, ma belle. T'as fini avec des ablettes à un moment donné, ma pauvre? Oui. Une grande sécheresse d'ablettes. Ça a été si dur que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Comment? T'avais plus de poissons du tout? Non, j'avais 3 poissons en première heure. Et puis après, j'ai remis ce qu'il fallait un peu dans l'eau que j'avais vu à l'entraînement. Félicitations. Merci, Bruno. Bravo à vous. Alors là, j'ai construit. J'ai vu des petits détails. J'ai pris des ablettes pour assurer un peu, remonter un peu. Et après, j'ai fait rentrer le regard de comme ça. C'est la différence. Et tu finis? Donc c'est bon, 9. Là-bas, un mouchoir. J'ai créé le truc. Donc ça fait plaisir. Parce que là, tu te dis que voilà. T'as été là chercher la médaille. Là, c'est grosse bagarre. Et là, tu te dis, j'y ai participé. Et là, on va rappeler quand même que c'est sur les places les plus difficiles que se gagne un championnat. Es-tu d'accord? Je suis d'accord, mais d'abord, je vais faire un bisou. Ah, ben non, vas-y. Ah, oui. Mais ça fait. T'es bien. T'es dur. Très dur. Du 1 au 5 hier, il y avait déjà eu des plus de poissons et qu'après, bon, après l'anglaise qui avait ma place. Voilà, qui avait gagné. Mais moi, elle était à côté de moi aujourd'hui.
Et voilà, elle a 600 grammes et moi j'ai presque le double. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas marché ce qu'elle a fait hier, alors qu'elle avait la place à côté. Grâce. La gueule du bébé, bravo pour le montage des lignes, parce qu'il faut le dire, le montage des lignes. Ouais, bah, c'est sûr. Non, il y a plein de choses. Après, si j'ai pêché, c'est grâce à lui, cette année, sinon j'aurais pas pêché. Il a accepté et puis il m'a dit. Il m'a dit, voilà, je veux bien que tu aies pêché, parce que moi je lui avais dit que. J'ai une mère d'un village à côté de chez moi, il te ressemble. On a gagné. Mère, elle a dit qu'elle avait mis à plein de monde, en fait. Regarde un peu derrière. Oh, regarde-le. Oh là. Le capitaine. Oh, les vaches. Il y a beaucoup d'eau par contre, non? Avec les chaussures, mesdames. J'espère qu'il avait des chaussures dans le champ. T'as pas mal au dos, là. Est-ce qu'elle est bonne? Elle est froide. Elle est froide. C'est le seul qui a gardé ses chaussures. Daniel, alors grandiose. T'as plus mal aux genoux, ça y est? Ah ben là, dans l'autre, ça va pas mal. J'ai pas couru, mais au départ, pas couru. Il y a beaucoup d'eau par contre, non? Ah,